à Courchevel, dans le télé de Méribel. Ah que la vie est belle, 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 tout là-haut, perché dans le ciel, dans les nuées, on a glissé. Le chapeau à Philippe Miramont, parce qu'il fallait la, chercher, cette chanson qui parle de Courchevel, de Mirabel, de c'est ça, oui, Mirabel. Oui. Les deux ensemble peuvent être possibles, sur la piste aussi. Vous êtes allé à Courchevel? Oui, nous sommes allés à Courchevel. Avec le triporteur, on a mis les pneus de neige, les chaînes, tout, les chaussettes sur les pneus, tout, bref. Voilà. Non, vraiment, on est allé à Courchevel parce que là-bas, en Savoie-Mont-Blanc, il y a un territoire incroyable et il y a surtout une table incroyable, c'est le Chabichou. Ce restaurant, il existe depuis plus de 50 ans, au pied des pistes, et Michel Rochedy et Maryse, ils le tiennent, ils ont 80 ans, on peut le dire, ils ne cachent pas leur âge. Ils ont fêté, Michel justement, il a fêté ses 80 ans avec 80 chefs qui sont venus le voir il y a quelques mois. Et justement, moi je voulais le saluer pour cette série à la montagne, parce que 2 étoiles, 80 ans, toujours derrière le fourneau. Alors il y a Stéphane Buron, meilleur ouvrier de France, qui l'a rejoint et qui l'aide et qui travaille avec lui depuis presque 30 ans. Mais c'est assez incroyable, parce qu'ils ont commencé, ils étaient 5 dans ce restaurant il y a plus de 50 ans et aujourd'hui ils sont plus d'une centaine en haute saison. Donc chapeau, ils sont au pied des pistes, c'est un lieu incroyable parce que toutes les personnalités, tout Paris est passé par là-bas et il ne manquait qu'une seule personnalité dans le couloir, le triporteur. Donc nous y sommes allés parce qu'il y a un couloir avec toutes les photos des célébrités qui sont passées par là. Aujourd'hui, le triporteur est à 2000 mètres d'altitude et alors forcément, on est à Courchevel et on a pris les moyens locaux. Allez hop, en route! Les meilleurs restaurateurs de toutes les Alpes, on peut dire ça, Savoie-Mont-Blanc. Oui. Absolument, absolument. Bon. Avec plaisir. Et il est beau quand même, votre hôtel. Il est beau, il est tout blanc. Quand même, derrière nous, il y a un hôtel, un restaurant, une boulangerie. Oui, une brasserie. Une brasserie. Mmh. Et un spa. Oui, et même pas fatigué. Pas encore. Non, pas encore. Combien de personnes qui travaillent avec vous? Je crois qu'on approche maintenant les 150. Alors on est obligé de rester jeune. Bah voilà, c'est tout. Tout le monde est passé par votre maison, non? Il y a un couloir avec toutes les photos, là. Oui. Alors je suis fâché parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de photos du triporteur dedans. Pas encore. Bon, on en fait une ou pas? Allez, on en fait une et on se retrouve dans le couloir. C'est moi où il y a un peu de monde en cuisine. Hop là, oula, oula. Bon, Michel, c'est tous les jours comme ça? C'est la première fois qu'un triporteur entre en cuisine. Ça fait combien de temps que vous cuisinez ici, là? Eh bien, si je calcule bien, ça va faire la 54e saison. Et c'est vrai que maintenant qu'on m'a souhaité mes 4 fois 20 ans, je sais enfin l'âge que j'ai. Parce que jusqu'à présent, je ne savais pas. Non, vous avez fêté les 80 ans? On a fêté les 4 fois 20 avec 80 chefs autour, extraordinaire. Est-ce qu'on s'imagine, quand on arrive il y a 50 ans, qu'un jour, il y aura autant de personnes en cuisine, il y aura 2 étoiles? Non, on ne peut pas imaginer. Stéphane, il y a combien de personnes à midi là autour là? 26 personnes. Ah oui, quand même. Ah bah non. Et vous avez quand même remarqué qu'on a le même code couleur là. Ah oui, c'est vrai. Hein? Bleu, blanc, rouge. Je trouve que ça vous va bien. Ça va bien, ouais, ça me va bien. Bon, là, on va cuisiner quoi là? Une terrine de Beaufort au lard paysan avec un petit jus truffé. Et le tout avec la maison derrière. On débute par quoi dans cette recette? Eh bon, on va faire une crème prise. On fait une entrée là, hein? On casse des œufs, on met de la crème, du lait, on n'a pas besoin d'assaisonner. Notre ventrèche, elle est déjà assaisonnée de sel et de poivre. Et alors là, comment on obtient ceci? On prend notre terrine, on chemise cette terrine de ventrèche. Loïc, une fine chemise. Ah oui, une fine chemise. Coupée très très fin. On recouvre le fond du moule, on parsème de dés de Beaufort, les artichauts, on met notre crème prise. Oui. On referme le tout. Et là, dites-moi pas qu'on a terminé. Presque. Presque. Il faut la cuire. Certains se damnent. Ils viennent de l'autre bout de la France pour goûter à cette terrine. Absolument. Les amis, oui. Ça fait 54 ans qu'on restaure tout le monde au pied des pistes à Courchevel. Donc on se dit qu'on se retrouve dans 50 ans, c'est ça? On fera le siècle. Ah, oui. L'année prochaine? Ah oui, il perd pas la tête, hein. Bah oui, on revient l'année prochaine. En fait, on va venir toutes les années vous voir, Michel. Absolument. Ouais. Hey. On va aller le voir toutes les années parce qu'il nous regarde tous les matins.
C'est-à-dire que depuis que Télématin existe, Michel Rojdi m'a dit j'ai vu la première de Télématin. Voilà, donc vous imaginez quand même. Michel Rojdi, on vous salue. Voilà. On salue madame, Stéphane Buron également. Et puis, vous avez mis deux petites choses, un petit gâteau de Savoie. Et puis, je vous ai mis une petite madeleine au Beaufort. Elle est importante, la madeleine au Beaufort, parce que c'est elle qui ouvre. C'est un peu en apéritif, comme ça, ça ouvre la table. Ah, le chabichou, c'est du côté de Courchevel. Et en même temps, je voulais juste appeler à candidature à toutes les femmes chefs. Il y a les cuillères d'or qui ouvrent leur concours. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire. Ça n'a rien à voir avec Michel Rojdi, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un concours réservé aux femmes. Voilà. Et c'est en 2018, mais ça y est, les candidatures sont ouvertes. Donc, on peut concourir. Voilà. Monsieur Rojdi. Merci.